Ok les gars, dans cette vidéo, il y a un huge raccoon à gagner. Vous savez, c'est le fameux huge, ça fait deux fois que j'en parle. Et à chaque fois, je vous dis qui le veut, il n'y a personne qui le veut. Du coup, ce qu'on va faire, bah, ça va être très simple. Je vais l'offrir à quelqu'un aujourd'hui. Enfin les gars, c'est le grand jour où vous pouvez enfin gagner le huge raccoon. Je sais que vous le voulez tous. À chaque fois que je dis que personne ne le veut, mais je sais qu'il y en a qui le veulent, c'est une blague les gars. Du coup, bah, c'est le grand jour. Enfin, vous pouvez le gagner. Et du coup, pour le gagner, ça va être très très simple. Vous allez devoir retrouver le message secret. Et oui, je sais que vous aimez pas les messages secrets, mais c'est pas grave. Mais là, le message secret, les gars, il sera écrit en noir sur un fond noir, ok? Donc, bonne chance pour le trouver. Et puis, j'ai envie de vous dire, bonne vidéo. Et regardez-moi ce huge trop mignon qui s'appelle Joe Mama. Et vous verrez pourquoi il s'appelle Joe Mama dans quelques semaines, ok? Vous verrez. Allez, ciao, 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 ciao. Dans la dernière vidéo, il y avait deux exclusifs à gagner parmi les trois qui existent dans les Flex Egg. Et aujourd'hui, parmi tous les commentaires, on va tirer au sort les deux vainqueurs. Ok, c'est parti pour le premier vainqueur. On rentre l'URL de la vidéo YouTube comme d'habitude, vous connaissez très bien. Et le vainqueur c'est Shulistar. Moi je veux bien l'exclusif le plus cher, moi je le veux, le boss du monde, le musclé 556, avec des petits smileys. Ok, et bah c'est parti pour t'envoyer le premier exclusif. Ok, c'est parti pour envoyer le premier pet. Et attendez parce que comme je n'ai pas le Flex Tiger dans mon inventaire, je vais lui envoyer 4,2 millions de gemmes pour qu'il aille se l'acheter lui-même. Donc c'est parti, on met son pseudo, on met le petit Flex Beer. Hop, et on marque, GG, tu as gagné. Hop, oui, envoyé, oui. Et tadam! Et évidemment, les gars, je vais lui envoyer un deuxième cadeau. Donc, on va lui envoyer directement 570 000 gemmes parce que c'était le prix qui manquait pour l'exclusif. Et je vais marquer des gemmes en cadeau. Hop, c'est parti. On lui envoie les gemmes en bonus parce que j'avais promis que j'enverrais un Flex Tiger, mais comme je l'ai pas, eh ben, j'ai envoyé des gemmes gratos. Ok, on va directement envoyer le deuxième. Ou plutôt tirer au sort le deuxième, c'est mieux comme ça. Et c'est Mathias Terrier X6. Je peux enfin m'abonner depuis le temps que je te soutiens. Mon pseudo c'est Matt du 62 avec un skin de soldat. J'aimerais avoir le huge mushroom, ce serait incroyable comme premier huge et continue BG. Et bah merci beaucoup à toi et gros GG. C'est parti pour le deuxième vainqueur, sauf que Matt il n'a pas dit lequel parmi les trois exclusifs il voulait. Du coup bah malheureusement je vais lui envoyer le moins cher, le petit Flex 4. Et je vais lui marquer GG, tu as gagné. Envoyé, oui, envoyé. Bon, le cadeau me coûte 100 000, mais c'est pas grave. En tout cas, les mecs, j'ai envie de vous dire cadeau envoyé. Yo les gars, c'est Nsio, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Pet Simulator. Et aujourd'hui, on va réaliser vos défis, les défis des abonnés. Si jamais vous voulez qu'il y ait une partie 2 à cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires peut-être des autres défis, des défis que vous voulez faire. Parce que pour cette fois, j'ai demandé les défis sur mon Discord, sur mon serveur Discord Nsio Pet Simulator. J'ai demandé aux abonnés des défis, et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais pour la partie 2, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires YouTube, et puis je sélectionnerai sûrement des gens. Et puis s'il y a des défis que j'arrive pas, attention, il ne faut pas des trucs impossibles non plus. Et bah, je vous donnerai peut-être des petits cadeaux. Ok, en tout cas, c'est parti pour cette petite vidéo assez cool. Alors, le premier défi, c'est le défi de Lilian. Il nous dit, avec les clés, tu dois en ouvrir jusqu'à avoir le huge. Alors, je vais essayer, mais ça va être plutôt compliqué. Ok, du coup, c'est parti. On va directement aller dans les petites clés. Hop. Et puis, je vais en ouvrir jusqu'à ce que j'ai le huge. Et puis, si jamais j'en peux plus ou que j'ai envie d'abandonner, et bah, j'abandonnerai. Parce que là, frère, je sens que ça va être très long. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Bon, les gars. On se retrouve quelques minutes après. Alors, j'avais 4000 clés cristal. Il m'en reste que 3500. Donc, si vous faites le petit calcul, j'en ai ouvert plus de 500. Et d'ailleurs, pour vous dire, ça m'a pris 30 minutes. Oui, vous rêvez pas. 30 minutes pour ouvrir 500 clés. Et malheureusement, je n'ai pas eu le huge. Mais, je l'ai déjà packé dans le passé. Donc, bon, est-ce que c'est un défi validé ou pas? Moi, je pense semi-validé. Moyen, moyen. En tout cas, on passe tout de suite au défi suivant. J'espère qu'il sera plus simple. Parce que celui-là, il était trop compliqué. Et frère, il m'a pris 30 minutes. Ok, le défi suivant, c'est de la part de IA. Il nous dit il faut faire un profit de 30 millions sur un pet. Donc dans la Trading Plaza, j'imagine. Ok, et bah je vais essayer, mais bon. C'est aussi un défi très compliqué, ça. Du coup, c'est parti, on va dans la Trading Plaza directement. Et attention. Et donc, on va devoir vendre avec 30 millions de profit. Bon, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que je peux vendre 30 millions? Bah, end le goat, frère. C'est le mien. Donc je vais essayer avec 30 millions de profil, donc ça va... Mon rake il s'est coupé, mais du coup j'ai mis le petit pets. Et on va attendre que quelqu'un l'achète. Et je vais demander dans le chat, who wants a pet, a huge, 30 millions over rap. Je pense que personne ne va vouloir, parce qu'il est un peu fou, son défi frère, comment ça 30 millions? Comment ça 30 millions de plus? Là il est à 76 millions, je l'ai mis à 106 millions mec. C'est vraiment abusé. Non, lui il abuse, regarde, y a personne qui le veut. Alors que les gens normaux, tu vois, ils vendent 5 millions plus cher, voilà, 2 millions, 1 million plus cher. Ça va en vrai, tu vois. Défi pas du tout validé là. On va carrément l'enlever, hop, et on va carrément enlever le stand. Et on va s'enfuir de là.
et passer au défi suivant. Ok, on a Enskyo, mon bébé d'amour, qui nous dit bonjour. Salut mon ref, mais par contre c'est pas un défi ça, mais merci quand même, je te dis bonjour, bonjour, bonjour. Ok, le vrai défi suivant c'est de la part de Phoenix qui nous dit ouvrir 25 clés dans tous les mondes et tous les coffres, donc le Void, clé, Crystal clé, Secret clé. Ok, et bah c'est parti. Et évidemment, vous doutez bien, on va commencer par le clé Crystal qui est juste ici. Du coup c'est parti. Par contre, comment je sais quand j'en ouvre 25? Oh, au pire j'en ouvre 5 et puis il me pardonnera les gars. Parce que 25 c'est un peu beaucoup quand même. Donc on va faire semblant qu'il a dit 5 et puis voilà. Ok, 3, parfait. Que 25 reste, je vais prendre toute la nuit. Ok, numéro 4, toujours rien. Numéro 5, attention. Toujours rien. Allez, une petite bonus, allez, je suis sympa. Petite clé bonus. Et toujours rien. Ok, on va aussi faire évidemment les clés secrètes. Et puis je pense que 25 clés secrètes, ça serait ultra long. Donc on va évidemment en faire que 5. Évidemment. Donc c'est parti pour 5 petites clés secrètes. La deuxième, let's go. Allez, c'est parti. Croisez les doigts. Oh, pas mal. Bon, pas ouf en vrai, mais pas mal. Oh, mitigé, mitigé. Ok, on continue. Allez, troisième clé secrète, c'est parti. Allez, une dinguerie s'il vous plaît. Oh bah ça tombe bien, Phoenix il m'a rejoint. Attendez, je vais lui demander. Ah bon, ça lag là? Non, non, il m'a fait laguer, Phoenix. Je vais lui demander. Ok, quatrième clé, c'est parti. On continue. Ok, toujours rien. Et on va faire la dernière. Bon, Phoenix il est parti les gars, mais je pense qu'il veut bien. Et la dernière, on n'a rien eu, malheureusement. Ok. Ah, j'ai pas de Void Clé. Bon, frère, vas-y, défi suivant, c'est bon, j'ai défi pas réussi. Ok, le défi suivant, c'est la part de Axir, il nous a dit remplir des boîtes avec plein de trucs random, des items, des pets, etc. Et vend-les aux abonnés, aux enchères. Et il gagne soit des bons trucs, soit des trucs pourris, des scams, en mode un lucky block. Ok. Question pour un champignon, version Pet Simulator. Bon, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais on va le faire. Ok, donc voilà tout ce que j'ai mis dans mon lucky block. Il vaut 5,3 millions. Et on va proposer aux abonnés 5 millions. Ok, je lui ai dit, pour la vidéo, j'ai créé une boîte mystère. Est-ce que tu souhaites l'acheter ou refuser mon offre? On va voir ce qu'il va dire. Attention, ça coûte combien? Ok, je vais lui dire 5 millions. On le rappelle, la boîte, elle vaut plus cher que 5 millions. Donc si jamais il accepte, ça serait rentable pour lui. Ok, alors attention, suspense. Il a dit, ok, je peux essayer d'acheter. Ok, les gars, il me donne 5 millions de gemmes en valeur avec plein d'items un peu au pif. Donc j'ai accepté. Et donc maintenant, je vais le retrade et lui donner tous les items qu'il a gagnés. Ok, donc c'est parti, on fait le trade et je vais lui marquer voilà tout ce que tu as gagné. Je te montre. Je vais lui marquer, on va voir si tu as bien fait d'accepter ou non. Ok, du coup c'est parti, je vais lui montrer tous les items qu'il a gagnés. Alors, déjà il a gagné 15 name tags, un peu gaze. Il a gagné 425 fruits, un peu gaze. Il a gagné une potion. Waouh! Ah, pour l'instant, il est choc barre. Il a gagné aussi un livre, Treasure Hunter. Et le meilleur, c'est, attention, il a gagné un petit exclusif. Ok. Voilà tout ce qu'il a gagné. Rentable ou pas, les mecs? En vrai, rentable. Pour 5 millions, ça va. Il a dit merci. C'est carré. Et donc voilà le Lucky Block qui valait 5 millions. Défi 100% validé. Ok, alors pour le défi suivant, c'est le défi de Gabriel qui nous dit vends un caca arc-en-ciel à 1 million et attends que quelqu'un l'achète. Bon, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Allez, c'est parti. Ok, on est directement dans la Trading Plaza. On va vendre notre petit item. Bon, notre item, c'est plutôt un caca, mais. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Bon, je peux pas en vendre qu'un seul, malheureusement, je vais en mettre 5. C'est parti, les mecs, j'ai mis 1 million le caca. On va voir qui veut l'acheter. Qui veut acheter mon item. Très rare. Ah ah ah! Maintenant, il se demande s'il va acheter mon item secret, un caca arc-en-ciel à 1 million. Qui est-ce qui va l'acheter? Attention. Bon, bah, les gars, je crois que c'est validé là. Il y a clairement Phoenix qui m'a acheté un caca à 1 million. Phoenix, il est fou. Ok, le défi suivant, c'est le défi de Zach123 qui nous dit donne 1 million de gemmes à une nouvelle qui vient de commencer le jeu. Ok, c'est parti. Ok, on va trade encore un autre mec. Attendez, les gars, je viens de lui mettre les 1 million de gemmes. On va voir s'il va accepter ou pas. Il n'y a rien de bizarre, mon ref. Je t'ai juste donné 1 million de gemmes gratos. Pour l'instant, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi ces pets gaze là? J'en veux pas de tes pets gaze. Bon, c'est pas grave. Je les accepte, mais ils sont un peu gaze. Ok, attention, suspense. Est-ce qu'il accepte mon trade? OMG. Eh oui. Ok. Et bah, défi 100% réussi, j'ai donné 1 million à un petit noob. Gros GG. Ok, on va continuer avec le défi suivant. Alors, c'est la part de Mister S et il nous dit tenter de speedrun la récupération d'un item Coin Jar sur un nouveau compte. Bon, on va pas le faire sur un nouveau compte parce que c'est déjà impossible sur un compte normal. Mais on va tenter sur mon compte. Du coup, c'est parti, on va faire spawn un item Coin Jar. Du coup, c'est parti, on l'utilise. Hop, juste là, il a spawn, magnifique. Et on va. Du coup, mettre tous mes pets. Et puis, on va prier pour avoir 30 items le plus vite possible.
On est à 28, 29. Allez, plus qu'un. Allez, allez, 30. Et là, ça explose. Et oh, plein d'items partout. Incroyable. Bon bah les gars, défi 100% validé je crois. Ok, le prochain défi il est de la part de Guigui et il nous dit d'ouvrir 1000 cadeaux ange et démon. Bon, je vous dis la vérité, j'en ai pas 1000 des cadeaux, mais je vais ouvrir tout ce que j'ai. C'est parti. Donc c'est parti les mecs, on va directement ouvrir tous nos petits cadeaux ange et démon. Bon, j'en ai que 44, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Hop, on va tout ouvrir direct, boum. Allez, c'est parti. La première salve est lancée. Les premiers huge à spawn, attention. Et non, malheureusement. Ok, c'est pas grave, il nous en reste encore 20. C'est parti, let's go. Hop, et il en reste encore. Ok, c'est parti, allez. Un huge. Et non, c'est pas grave, il en reste encore un. Allez, celui du désespoir. Le dernier. Allez. Dommage. Ok, et bah c'est un défi validé. Mais même si j'en ai pas ouvert 1000, j'ai pas eu le huge, très dommage. Ok, alors pour le prochain défi, c'est le défi de King qui nous dit de mettre un huge à une seule gemme aux enchères. Alors lui il est clairement fou les gars, il veut que je perde mon huge, mais je vais le faire quand même parce que c'est un défi et j'accepte tous les défis. Ok les gars, on est directement dans la Trading Plaza et on va mettre le petit huge aux enchères à une seule gemme les gars. Une seule gemme. Une seule gemmos. Ok, c'est parti. On va directement le lister, on va mettre celui-là, and le goat. C'est parti les mecs, le huge est parti aux enchères. On attend 10 secondes et il sera là-haut. C'est parti les mecs, le huge est à une gemme, c'est parti, il est là. Oh purée, Phoenix il a tout niqué, il a mis 40 millions. Purée, alors que de base il vaut une gemme de base. Ok, pour l'instant c'est le monsieur juste là qui est en train de gagner. Le huge il vaut 76 millions quand même. On le rappelle les gars, de base il était à une seule gemme. Il était à une seule gemme et là ils sont en train de monter un petit peu, petit à petit, à 68 millions etc. Il reste 10 secondes, pour l'instant il vaut pas très cher. Ils ont fait une bonne off. Ok, Phoenix 70 millions, ok. Ok, 71 millions, ok. On va voir qui est-ce qui va réussir à l'avoir. Ah, pour l'instant, les gars, ils sont plutôt chauds. Ok, 5 secondes. Oh, Phoenix, 72 millions. Et c'est Phoenix qui l'a eu à 72 millions. Et bah, gros GG. GG à Phoenix, wesh, frère. Ok, on continue avec le défi suivant de Kenzo qui nous dit « Donne-moi un huge, mon pseudo Kenzo. » Bon, lui, il est fou. Mais après, il a marqué « Défi possible, sérieusement. Tu dois avoir tous les livres du jeu. Et sinon, c'est trop dur. Tu dois avoir un huge avec les clés Gold et Rainbow. » Bon, il a donné 40 000 défis. Et on va prendre le défi d'avoir tous les livres du jeu. Et donc c'est parti. Alors déjà il faut regarder, est-ce que j'ai tous les livres du jeu? Alors attendez, laissez-moi regarder. Ah, il m'en manque deux. Alors attendez, il me manque deux livres. Il me manque le Hacker Key Hunter qui vaut 2,9 millions. Et le Chess Mimic qui vaut 1 milliard. Bon alors celui-là c'est clairement impossible. Mais on va chercher le Hacker. Peut-être que je peux réussir à trouver un Hacker Key. Ça serait plutôt cool. Mais par contre le Chess Mimic les gars, 1 milliard c'est impossible en vrai. C'est parti pour chercher le Hacker. Ok, il y en a un ici pour 3 millions. Et vous savez quoi les gars, je l'achète. C'est parti, c'est un bon prix en vrai. Et donc voilà, un nouveau livre d'acquis pour ma collection. Donc maintenant, si on vérifie, il nous manque qu'un seul livre. Et c'est le Chess Mimic à 1 milliard. Bon malheureusement les gars, j'ai regardé un petit peu sur le Discord et tout. J'ai aucun abonné qui a le Chess Mimic. Donc je sais pas comment c'est possible. Je pense que c'est un enchant très rare. Malheureusement mes abonnés, bah je crois ils sont pas assez riches dans le jeu pour avoir un Chess Mimic. En même temps c'est normal, 1 milliard et tout, c'est normal que personne ne l'ait. Bon bah en tout cas c'est parti, on continue les défis. Ok, le prochain défi c'est le défi de X-Wheel qui nous dit tu peux me donner 10 millions de diamants, pseudo tonnerre 10, je te lance le défi. Bon lui les gars il veut juste me racketter, mais on va quand même le faire. Donc c'est parti, on va directement dans la boîte aux lettres, tonnerre, et on va lui envoyer 10 millions de gemmes. Regardez bien combien il y a de gemmes là, il y en a évidemment pas du tout 10 millions les gars. Et là je vais marquer MDR, voilà. Ah je peux pas envoyer plus que 10 000. Bon en fait on peut envoyer que 10 000 donc au lieu de 10 millions on va mettre 10 000. En plus le cadeau il me coûte 20 000 pour l'envoyer alors que j'envoie 10 000. C'est pas logique. Ok. Et bah défi validé parce qu'il a voulu me racketter des gemmes. Et bah tiens. Hop là. Poète poète. Ok, le prochain défi c'est le défi de Malik. Acheter tout un item du marché. Alors j'ai pas tout compris mais je pense savoir ce qu'il veut dire. Donc on va aller faire ça tout de suite. Et puis si c'est pas ça qu'il voulait bah malheureusement je me suis trompé. Mais on va essayer. Ok alors c'est parti. On va retourner dans le monde normal. Donc je crois qu'il parle des marchés dans la zone 1. Donc je crois que son défi c'est d'acheter tous les items des marchés. Donc bon on va tester ça tout de suite. Puis on va voir si ça me coûte cher ou pas. Alors marchands, voilà, vous voyez c'est ça les marchands. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils vendent. Et puis on va acheter évidemment. Donc on a le marchand de la plage. Hop, il vend des trucs pas très rentables. Mais c'est pas grave, on achète tout. Hop, ensuite le deuxième marchand. Où est-ce qu'il est? Il est là-bas, c'est parti on y va les gars. C'est ça le défi. D'ailleurs si jamais c'est pas ça le défi, acheter tous les items des marchands. Et bah tu me le dis dans les commentaires et tu me dis je me suis trompé, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'était dans la Trading Plaza ou je sais pas.
Mais pour moi, il n'y a pas d'autres marchands, donc je pense que ça veut dire ça le défi. Acheter les items des marchands. Ok, on continue. On achète. Bon, ça, les gars, c'est l'item le moins rentable parce que regardez, ça vaut 3 gemmes, 70 gemmes, et je les paye 200, 1000 gemmes. Donc là, c'est vraiment pas rentable. Donc je suis un peu dégoûté d'acheter tout ça, mais bon. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. C'est le défi, les gars, c'est le défi. Il me fait acheter des graines à 3 gemmes, vas-y, frère. Alors que je les paye 1000. Ok, on va acheter toutes les boules de neige. Bon, ça, c'est pas rentable, ça vaut 13 gemmes, mais bon, je l'achète quand même, c'est pas grave. Ok, il nous reste combien de marchands? Je crois qu'il en reste encore 2. Ok, alors ça, c'est un item sell, donc c'est pour les vendre. Donc bon, on va quand même tout vendre, les gars. Voilà, pas très rentable, regardez, je perds mes gemmes carrément. Là, ça vaut. Bon, celui-là, il est rentable, 200 gemmes. Ok, celui-là, est-ce que c'est rentable? Ok, celui-là, il est rentable. Par contre, celui-là, ça vaut 7000, frère. Ça vaut 7000, je les vends 2000. Ouah, je me suis bien fait arnaquer là. Mais c'est pas grave, les gars, c'est le but de la vidéo. Il m'a dit, t'achètes tous les marchands. Bah, j'achète tout, hein. Et du coup, le dernier marchand, c'est pas vraiment un marchand, c'est dans les rewards. Et là, bah, pour le coup, je peux rien acheter parce que c'est des pièces comme ça, vous voyez, des pièces bleues. Donc, bah, comme je peux pas acheter, on va pas acheter. En tout cas, défi 100% validé. Allez, défi suivant. Ok, le défi suivant, c'est le défi de XWZ. Il nous dit, un défi, me donner un huge. Non, je rigole. En vrai, trouver un mec qui arnaque en Trading Plaza. Ok, super défi. On va aller regarder s'il y a des arnaqueurs. Ok, les gars, c'est parti. On va directement dans la Trading Plaza et on va voir s'il y a des petits arnaqueurs. Bon, ça va être compliqué de trouver des arnaqueurs parce que, en général, ils sont bien cachés. Ah, j'ai trouvé un arnaqueur. Attends. Ah oui. Ah, j'ai trouvé un bel arnaqueur là. Oh oui. Ah oui. Regardez, il vend un huge mantis shrimp qui vaut 2 milliards 600 millions. Donc, évidemment, c'est faux, les gars. Ça, c'est des bugs RAP. À part que ce soit pas un bug et qu'il vaut 2 milliards, mais je pense pas. J'avais déjà demandé à mon live Twitch et ils m'ont dit que c'était un bug. Du coup, comme quand il y a des bugs RAP, il faut pas faire attention au prix parce que le prix est bugué. Et là, le mec, il le vend 1 milliard. Alors que les huge golden, vous le voyez juste au-dessus de lui, ça vaut 100 millions, 200 millions. Allez, maximum 500 millions si jamais ils sont rares. Mais là, 1 milliard, non. Donc lui, c'est clairement un arnaqueur. Donc attention, honte à lui, les gars. Honte à lui, franchement. Défi réussi, j'ai trouvé un arnaqueur. Ok, pour le défi suivant, on a Loulou qui nous dit « Envoie un caca arc-en-ciel à quelqu'un de lambda ». Ok, et bah c'est parti, bonne chance. Et j'ai eu une petite idée, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez si j'envoie le caca arc-en-ciel à Loulou? Moi, je pense que c'est une bonne idée. Alors, je crois que son pseudo, si je me rappelle bien, c'est un truc comme ça, genre. Ah ouais, c'est ça, Slam la gagnante. Alors, Slam la gagnante, je vais te mettre ton petit caca arc-en-ciel, où est-ce qu'il est? Elle a dit, les gars, le défi c'était d'envoyer un caca arc-en-ciel à quelqu'un. Et bah, je vais l'envoyer à elle, comme ça, c'est rigolo. GG, tu as gagné des caca. Hop, et je vais lui envoyer les petits caca. Tadam! Cadeau envoyé et défi validé. Ok les gars, on est au dernier défi de la vidéo et c'est le plus dur je pense. C'est acheter 1000 caca arc-en-ciel et les utiliser. Ouah frère. Bon bah on va essayer les gars, c'est parti hein, bonne chance. Allez du coup let's go, c'est parti, on va chercher des petits caca arc-en-ciel. Non mais dis pas qu'il y a personne qui en vend. Non. Comment je fais le défi s'il y a personne qui en vend? Ok OMG. Attendez. Je viens de trouver quelqu'un qui vend des caca arc-en-ciel. J'espère qu'il en vend plein parce que là frère j'ai besoin d'en acheter au moins 1000 pour la vidéo. Non, me dis pas qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté. Mais frère, il y a un mec qui l'a déjà acheté. Mais les gens ils sont fous les gars. Ok les gars, je vais essayer d'acheter plein de caca à un mec. C'est parti. Allez. Défi validé ou pas? Allez, il en a pas 1000 mais il en a 200 en vrai. 200 c'est presque 1000. J'ai payé 150 000 gemmes en plus. Donc après c'était quoi le défi? Il a dit faut que je les mange tous. Frère, c'est quoi ce défi bizarre? Attendez. Ah frère, il abuse lui. Ah frère, vas-y. C'est trop long. Non, je vais pas tous les manger. Je vais en faire un peu mais pas trop. Allez, encore un peu. Allez, encore un peu. Encore deux. Encore deux, encore un. Allez, c'est bon. Tadam! Bon, bah, défi validé, les gars. Et c'était le dernier, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et puis, ciao!